Sortez les tambours, les cymbales. Nous voici sur un voyage interplanétaire. Chez Hasbro Interactive. Vous les avez vus, les petites boucles? Oula! Runcraft! Oh bah, au moment où on se met à chanter, il n'y a plus de voix. English, qu'est-ce que c'est que ce canon? Ce canon ne me dit rien qui vaille. Il n'a pas l'air très très gentil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes petites pattes. Il se déplace en vidéo. Deutsch, ok. Ah, il y a une petite coupure. Français? Me dites pas que... Il va tirer dans le mille. Ah! Cocorico! Ah ça tire à boulet rouge le début de ce jeu. Chargement, au moins, c'est bien écrit. En français, vous l'avez vu, en bas de la vidéo, une petite patte, on va prendre des risques dans ce jeu. Avoir de la stratégie, de la gestion, puisque le globe tourne à la conquête du monde sur risque. Salut les nouilles, essayez nous les bienvenus dans la saga jeu vidéo ludique polygonale sur notre bonne PlayStation, j'ai nommé la vieille station. Et aujourd'hui, et oui, les petites pattes, on parlait de jeu à la risque, mais le jeu risque à conquête du monde est sorti sur PlayStation, et ça fait plaisir. Un jeu typiquement de stratégie, de gestion, qui doit se jouer à la souris, mais vous voyez que ce n'est pas un curseur, c'est une plume pour écrire nos histoire sur le parchemin. Démarrage rapide du risque classique, ça m'a l'air bien, du risque extrême. Alors là, mes petites pattes, je veux bien prendre des risques, mais on est en mode Yenoub, hein, vous connaissez. Ou créer un jeu, ah ça peut être pas mal pour les options, peut-être se mettre en mode facile, choisir une carte. Alors, bah déjà il y a un beau parchemin, Amérique du Nord, pardon, Europe, Asie, monde ou classique. Bah, je pense qu'on va rester sur le mode classique, mes petites pattes, puisque c'est un jeu, à l'origine un jeu de plateau qui est incroyable, qui se joue avec des dés, notamment Dédé. Objectif du jeu, domination, mission, capitale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Je sais pas. Par défaut c'était en mode domination. Il y a peut-être des missions comme des niveaux. Capitale, je pense que c'est jusqu'à la fin. Variation du combat, règle des dés. Jeu classique, ok. Choisir des territoires en mode aléatoire. Placer les régiments en mode aléatoire, ça me paraît bien. Donc on appuie sur croix pour valider, comme si c'était clic gauche. Et les flèches directionnelles pour déplacer la souris, du moins la plume. Tour de jeu aléatoire, ok. Échange de cartes low fixe, c'est les difficultés de l'IA. Ah voilà. Alors intelligence artificielle, on va se mettre en mode ben, facile. Il y a que ça. En plus facile. Sinon c'est moyen ou difficile, une petite patte, risque aveugle. Peut-être pas. Des automatiques, si tu veux, des rapides, désactivés, minuteurs désactivés, oui, ça va nous permettre de réfléchir un petit peu. Manette 1, c'est nous, bleu, ordinateur, c'est vous, rouge et vert. Ah d'accord, et on peut aller jusqu'à 6 joueurs. Alors ce qui est bien, une petite patte, c'est qu'on peut jouer à 6 joueurs, mais comme dans Worms, c'est au tour par tour, donc on peut ne prendre qu'une manette pour jouer jusqu'à 6, et ça c'est pas mal. Donc le planisphère qui se déplie, carte classique, objectif du jeu, domination, variation de combat, règle des dés, jeu classique, choisir des territoires aléatoires, placer les régiments aléatoires, tour de jeu aléatoire, désactiver, échange de cartes, low fixe, difficulté de l'IA facile et risque aveugle désactivé. On peut valider et lancer le chargement pour le début du jeu, mes petites pattes, risque. Vous allez voir, le jeu est divisé en territoires différents et on peut bourrer la tronche des territoires ennemis qui jouxtent, qui sont frontaliers, ça va être sympa. On avait fait un risque-like qui s'appelait Astérix, d'ailleurs sur la version PC c'était la bataille des Gaules, qui mélangeait jeu d'action, plateforme 3D, mais pour avoir accès à ces niveaux, il fallait faire un jeu de stratégie à la risque. Et voici le noyau original, tout de suite après le chargement à petite patte. C'est parti, alors commencez votre tour. D'ailleurs, on disait que c'était peut-être sorti sur, je sais pas, sur DOS, sur PC. Regardez l'icône, c'est carrément le curseur inédit. Alors, Alaska, ok, donc ça c'est le monde, hein, directement territoire du Nord-Ouest. On commence par l'Amérique, visiblement Ontario, qui a visiblement chopé tout ça. Est des États-Unis, ça me paraît bien, Ouest des États-Unis, d'accord. Amérique centrale, qui commence par le Mexique, visiblement. Donc nous sommes les bleus. Donc là, par exemple, on a cette zone-là, Venezuela, et vous voyez que chaque zone a un drapeau d'une couleur qui correspond au joueur. Argentine, mais les territoires, ils ont changé de taille. Est-ce que l'Antarctique fait partie du monde? Non. Ah, l'Afrique est là, quand même. On disait Afrique du Nord tout à l'heure. Ça, c'est l'Afrique du Nord. D'accord, il y a le Sahara, toute la zone subsaharienne, et par contre, ça a été coupé un peu. Ah oui, d'accord, l'Égypte. Je ne sais pas qui a fait les frontières pour ce jeu, en tout cas mes petites pattes, ça a un peu changé, le Congo a grossi, l'Égypte aussi, l'Afrique du Sud également. Par contre Madagascar c'est impeccable, hein. La Corse de l'Afrique, hein. Rappelez-vous mes petites pattes au niveau des proportions. Grande-Bretagne, ok, est-ce qu'on a l'Islande? Ouais, peut-être le Groenland ou pas. Islande, super, qui est gelée, Scandinavie, ensuite l'Ukraine qui a vachement grossi. Ah ben dans un conflit ça peut être sympa, ouais, l'Oural, l'Afghanistan, bah, c'est pas mal aussi décidément. L'Inde qui a un petit peu débordé, moyenne.
Moyen-Orient, super. On a vraiment tout le monde, hein. Ça c'est tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. La Sibérie, Irkoutsk, Irkoutsk, à ne pas confondre évidemment. Ensuite là, on a sur le Kamtchatka, on a peut-être le Japon ici, si je ne m'abuse. Voilà. Est-ce qu'on a la Chine par là? Très bien. On révise la géographie, mais ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez comme frontières et limitations, puisque c'est pas tout à fait juste. Et ici, c'est l'Australie, hein, bien sûr, qu'on appelle la Nouvelle-Zélande. Et bien, petite patte, vous voyez que sur chaque portion, sur chaque territoire, il y a un drapeau avec la couleur correspondante et un numéro. En général, un chiffre. Et ça, c'est le nombre d'unités qu'on a. Plus on a d'unités, plus on a de chances de bourrer la tronche à l'autre. Et rien ne vaut un exemple en prenant... Alors, on a 4 ici en haut. On va essayer de... 4 là, c'est pas mal, mais il y en a 4 et 2. Là, on va se faire pourrir la tronche, puisque plus le chiffre est petit... plus on a de chances de se faire bouffer. Là, je crois qu'il n'y a que ça. Indonésie, ok, donc on peut aussi faire tout le tour, voilà, l'océan Pacifique, et revenir, bien sûr, sur la carte adéquate. Alors, mes petites pattes, là, on va essayer. Avec notre 4 ici, on appuie sur croix, on commence notre tour. Oh, on peut placer des renforts. Ah, mais génial. Pardon, on est sur la phase pour placer des renforts. Donc, on va en mettre ici. Ensuite... Là, ça m'a l'air un peu faible, on n'est qu'à 1, donc on va en mettre au moins 2, je ne sais pas combien de renforts, peut-être 14 en haut à droite. Si j'appuie sur croix et que je place ici, ça fait quoi? Non, je ne vois pas. Ah non, c'est en bas de l'écran peut-être. Je sais pas combien de renforts on a. Vous voyez en haut à gauche qu'on peut placer des fantassins. Alors, en tout cas, ces unités une par une. Là, on va se faire... Où c'est que j'ai dit qu'on allait se bouffer? 6! 6 en Inde! Je savais qu'ils étaient vachement peuplés, mais enfin à ce point-là quand même. Ok, donc là, on va remettre. Choisissez un territoire. Ah bah j'en ai plus. D'accord, il n'y avait que 5 renforts, je pense. Choisissez un territoire pour lancer l'attaque. Alors, pas celui-là face à 6, puisqu'il va falloir se mettre en supériorité numérique. Donc là, ici, voilà, on est bien. 5 contre 1. Voilà, dans un territoire frontalier attaqué, celui-ci me paraît très bien. Québec, clos. Et sectionnez le nombre de dés d'attaque. Donc vous voyez ici les petites pattes qu'on peut lancer 3 dés, puisqu'on a assez d'unités pour pouvoir lancer autant de dés. Je crois que c'est le maximum. Donc on attaque mes petites pattes. On appuie sur croix. Et lui, comme il n'a qu'une seule unité, il n'a qu'un seul dé à lancer. Et le but du jeu, ça va être pour nous de faire les chiffres les plus hauts. Donc les dés, ça va à 6 faces, donc ça va de 1 à 6. Il va falloir faire des triples 6. Et l'autre, pour se défendre, va essayer aussi de faire le chiffre le plus haut. Si on n'a qu'un seul dé et que l'on fait un chiffre 6 par exemple, mais que l'autre, malgré ses 3 dés, ne fait pas de 6, eh bien on gagne. Donc c'est pas l'addition des chiffres que l'on fait avec nos dés qui est important, mes petites pattes, c'est bien sûr le chiffre le plus haut qui va gérer. Donc là, avec le 4, peut-être qu'on peut bouffer celui-là. Je vais voir, mes petites pattes, si on peut le faire. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas avancer jusqu'à ce territoire. Donc j'appuie ici. Les deux sont liés, vous voyez, avec la paire de ciseaux. Donc celui-là, je vais essayer d'attaquer l'est des États-Unis. Vous ne pouvez pas avancer jusqu'à ce territoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être pour redonner un petit peu de renfort, peut-être, c'est ça? Et voilà, ça a l'air de se faire comme ça. Donc on appuie sur la touche cercle pour voir toute la carte et voir qui appartient à quoi, ou quoi appartient à qui plutôt, hein. Donc nous sommes en vert, mes petites pattes. Là on voit qu'on a un beau territoire, mais le problème c'est que quel que soit l'étendue de la zone du territoire, c'est pas très grave, mes petites pattes, puisque ça ne compte quand même que pour un, comme dirait Gimli. Donc là on appuie peut-être sur quoi? Sur les ciseaux là? Pour essayer de... Je voudrais juste continuer à jouer, petite patte, et continuer à attaquer, peut-être avec la touche carré. Non, ça ne marche pas des masses. Ah! Donc c'est L1 et R1 pour choisir à gauche, mais placer un renfort. On peut placer un renfort comme ça? Donc là, j'appuie... Ouais, super. Et si je le remets... Non, c'est bien. Ensuite, ah, placer 5 renforts, ça fait un peu beaucoup quand même, puisque là, j'ai de quoi faire. Ah oui, ok. Très bien. Et ensuite, on continue le jeu. Donc, on choisit les options qui sont en haut à gauche de l'écran avec L1 et R1. Et puis, on continue le jeu pour bourrer la tronche des adversaires. Donc là, on va continuer, petite patte. On choisit un territoire, celui-ci. Donc là, ça va être 2. Peut-être qu'il y aura 2 dés pour notre adversaire. Nous, on est minimum à 3. Donc, on a déjà les 3 dés. Regardez bien, petite patte. Alors, ce n'est pas un jeu en 3D. Hein, c'est un jeu en 2D. Et vous avez vu, petite patte, que... il n'y avait qu'un seul dé à nous, qui était à 5, qui est au-delà de ce qu'avait fait l'adversaire. Je crois qu'il avait fait 3. Regardez, on va refaire ici. Donc nos 3 dés, ça va très vite, hein. Lui, il a fait 2, nous on a 5, 4 et 4. Donc forcément, on a 3 fois plus d'attaque, et ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut terminer la phase de combat? Non, je vais essayer un territoire pour lancer l'attaque. On va essayer une petite patte de gagner toute l'Amérique du Nord. Donc là, on va essayer ici. Hop, voilà, donc on le prend. Celui-ci, choisissez un territoire à attaquer. Celui-là. Ah mais attendez, petite patte, je disais des bêtises, je disais qu'on était à la couleur verte, mais en fait on est à la couleur bleue depuis tout à l'heure. Je dis des bêtises, personne ne me retient. Donc là il a fait 2, donc c'est bon, on va réessayer là-dessus. Ah, il a fait 1, c'est mort, hein. C'est mort pour lui. Donc
problème, je trouve, sur Risk, c'est que il y a une super part de stratégie, mais il y a quand même une grosse part de chance. C'est-à-dire que c'est quand même les dés qui gèrent un peu tout ça. Donc là, on va essayer de faire ça là-dessus. Je pense qu'ils vont tous nous bouffer en partant de là, hein, la couleur verte là. On va tous nous bouffer. Ah oui, c'est vrai qu'on est les bleus. J'avais complètement oublié ça alors que c'était marqué dès le début du jeu. C'est un fail, mes petites pattes. Bon, on va essayer. Voilà, on n'a plus qu'un dé. On l'a fait. On l'a fait, on a eu beaucoup de chance, mes petites pattes, parce que là, c'était qui tout double. Bon, on a gagné ça. Quand on a un territoire avec une seule unité, on ne peut malheureusement pas attaquer puisqu'on se fait dépouiller de suite. Donc là, il va peut-être gagner un territoire. En bas, peut-être 1, 2, 3. On va se le refaire bouffer très certainement, une petite patte. Peut-être que là, est-ce qu'on le tente? On va tenter une petite patte pour vous montrer ce que ça fait quand on est en sous-effectif par rapport, voilà, à l'Amérique centrale qui est bien velue. On ne peut lancer qu'un seul dé, mais c'est quand même très risqué. Arrêtez l'attaque en cours, ça c'est bien, avec le drapeau blanc. On va quand même essayer avec les deux dés. Qu'est-ce que ça fait? Oh, ça gagne! C'est incroyable! Ah ouais, donc on réessaye. On a beaucoup de chance, mes petites pattes. Peut-être qu'on s'est mis en mode facile, c'est pour ça. Là, par contre, on s'est fait pourrir. C'est pas très grave. Peut-être que là, on peut continuer ici à essayer de lui pourrir la tronche. Est-ce que ça a fonctionné? Je crois une fois. On va retenter là-dessus. C'est pas mal puisqu'on a le 6 qui a bouffé le 5. Voilà. On a pratiquement toute l'Amérique du Nord. Exception faite avec l'Alaska, bien sûr. Voilà comment ça peut se passer. On va le tenter ou quoi? Allez, on rigole. On est là pour rigoler, petite patte. On va tenter le 4 contre 4. C'est pas la meilleure des stratégies. Je pense que le 4 contre 2 était mieux pour attaquer le Brésil. Puisqu'en plus, ça appartient au même joueur. Donc il peut se refiler les renforts à gauche et à droite. Donc là, c'est peut-être mieux de faire du côté du Brésil. Mais on va voir à force égale ce que ça fait. Puisqu'on l'a fait tout à l'heure avec 2 contre 2. Mais là, 4 contre 4, là, ça marche quand même du tonnerre. C'est pas le Pérou, mais quand même, ça gagne pas mal. Ah là, ça perd. Ça perd puisqu'il a fait 4. Est-ce qu'on perd des unités? Là, on l'a reperdu encore une fois. Peut-être que. Oh là là, il gagne tout. Il gagne tout. Donc vous voyez, petite patte, on était à 4. Lui aussi, lui il est resté à 2, rien qu'en défendant, et nous on a perdu vers le numéro 1. Ensuite, donc on a personne en Afrique finalement, puisqu'on a le Congo, et basta, et une seule unité. Là on va se faire dépouiller aussi, on a l'Islande qui est pas mal. Alors, évidemment là les territoires ne sont pas frontaliers, mais vous voyez qu'il y a des traits pointillés qui indiquent par où on peut attaquer. Est-ce que le Groenland peut se... Ah ouais, le Groenland peut se prendre. Et bien l'Islande tout de suite vers le Groenland qui est le pays le plus grand d'Europe, mes petites pattes, hein, avec le Danemark. Oh, aïe 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 aïe, ça se sent pas bon. 6 contre 6, qu'est-ce que ça fait? Et bien quand ça fait match nul comme ça, on perd une unité parce que la défense est déclarée majoritaire. Donc là on va pouvoir se refiler entre l'Afghanistan et l'Oural pour essayer d'écraser l'Ukraine, hein, c'est ça, hein, que... Alors évidemment, petite patte, hein, ne pas prendre. Oh là là là, l'Ukraine se défend très très bien, petite patte, mais pas tout le temps. On va tester une dernière fois. Non, ça n'a pas marché. Alors on va essayer d'arrêter l'attaque en cours et de peut-être le redonner avec ça marche ou pas? Oui, ça a l'air de marcher. Oh, il fait 6 encore! Mais les dés sont pipés ou quoi? Ah, 1 contre 1, ça marche pas non plus. Donc on va retenter une dernière fois. C'est une très très mauvaise stratégie, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut se passer dans Risk. Et tous les risques qu'on a à prendre, puisque là, on va perdre un peu tout ça. Là, on est là, on va peut-être prendre le Japon. Est-ce que c'est possible de prendre le Japon? Non, il est trop loin, mes petites pattes. Par contre, est-ce qu'on peut prendre ceci? Oui, on peut prendre ceci. Tout de suite, mes petites pattes. Ouais, ça c'est bon. Voilà, on l'a gagné. Donc je pense que en prenant ça... face au Japon, ça va le faire. Et la troisième phase, troisième et dernière phase, puisque la première, vous avez vu mes petites pattes, on avait des renforts et on essayait d'agrémenter un petit peu tout ça. La deuxième phase, c'est celle qu'on est en train de faire, c'est l'attaque. Et la troisième, ça va être de répartir les unités qui sont déjà présentes pour essayer de répartir un petit peu mieux pour se défendre. Donc là, il a fait 6, là, on a fait 3, et lui aussi. Donc là, c'est un peu la panade. Donc, on termine la phase de combat. Voilà, on valide. Alors là, si on appuie sur croix, ça va être refusé. Donc on appuie sur L1 ou R1. Voilà, c'est validé. Et après, on appuie sur croix pour faire OK. C'est marqué en bas de l'écran. Sectionner un territoire. Donc un territoire à partir desquels on peut manœuvrer nos troupes. Là, c'est fichu. On va se faire bouffer. Ça va aller très très vite, je pense. Là aussi, au niveau de l'Asie, tous les territoires qu'on a finalement vont se faire bouffer. Alors ce qui est bien, c'est que l'ordinateur ne joue pas en équipe contre nous. Hein, il faut bien le prendre en compte. Là, ça va être terrible aussi. Donc il n'y a rien à faire. S'il y a des rouges face au vert, ça va se bourrer la tronche entre eux. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, on a reçu la carte territoire Afrique du Nord. Ok, et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Voilà, alors là, ça y va. Ça attaque nos
territoire, ça reprend le Moyen-Orient, ça reprend, j'imagine, on a les infos si on met, voilà, la Nouvelle-Guinée. Ah, c'est dur la Nouvelle-Guinée, mais ça se prend quand même, puisqu'il a 5 au niveau. Là, il attaque les Verts aussi, voilà, donc il n'est pas en équipe. 2 contre 1, ça serait déloyal, mais c'est bien pour avoir les parties. Et n'hésitez pas, une petite patte, à prendre des joueurs humains pour vous bourrer la tronche ou pour jouer tout simplement en jeu de plateau. Alors, comment ça se matérialise? Tout simplement avec des pions sur les territoires qui sont déjà prédessinés. Vert réfléchi, donc c'est au tour de Vert. Nier le jeu ou sélectionner enregistrer. Ah, on peut sauvegarder la partie en cours de route, ça c'est pas mal. Sinon, bon, on va continuer, petite patte. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Parce que là, je pense qu'on a perdu pas mal. Oh, l'Amérique du Nord est toujours bien. On a pratiquement toute l'Amérique. Hein. L'Amérique, je veux la voir et peut-être que je l'aurai. Alors, on va essayer de mettre des renforts un peu partout. Là, on va essayer d'en mettre là. Voilà, on place un renfort, deux renforts. Allez, on va essayer de maximiser tout ça puisque c'est frontalier avec le Groenland, rappelons-le, mes petites pattes, puisque là, on n'a que l'Islande en Europe. Ensuite, on va essayer de la jouer un petit peu plus logique. Je ne sais pas combien... Ah, on n'a que ça. Ok, bon, on va lancer l'attaque au niveau... de l'Alaska, une petite patte, souhaitons-nous bonne chance avec les 3D. 4, c'est pas fou. Donc là, voilà. Vous avez vu, une petite patte, on a fait 1, 3 et 4. Si on additionnait, ça aurait fait 8. Et donc, lui, il n'avait fait que 4. Donc 8, c'est plus que 4. Sauf que là, non. C'est vraiment le chiffre le plus haut qui équivaut. Voilà, 2 et 5, c'est bien. Puisque lui, il n'a fait 1. Et quand tu fais 1, ben là, tu peux que prier que l'autre fasse un double 1. Donc là, c'est pas mal. On a toute l'Amérique du Nord. C'est bien. Ensuite, au niveau des... Ben là, j'ai pas trop le choix. Donc on va essayer d'attaquer le Brésil. Ah, il a fait 6, c'est dommage. Donc là, 6, on peut pas lutter hein, quand l'adversaire fait... Ben ça, c'est pareil. Oh là là, ben je suis... dommage, dommage. Alors, est-ce que avec, est-ce que l'Afrique du Nord peut taper le Brésil? Ça, on se croirait sur un match de foot, mais je vous assure, une petite patte, que ce n'est pas ça. Donc, on est pas mal. Est-ce qu'on peut taper d'autres? On va tenter, hein, petite patte, puisqu'on est là pour jouer, hein, pour fêter les 20 ans de risque, mes petites pattes. En jouant aux 20 premières minutes, on a perdu. Bon, mais c'est pas grave. Alors, on termine le tour, mes petites pattes. Voilà, phase de combat. Et après, on va essayer de répartir un petit peu mieux, surtout pour la défense, là. Parce que là, est-ce qu'on peut, comment on peut faire ça? On est à 1, le 2. Qui peut taper l'Alaska? Ah, mais c'est un territoire à nous aussi, donc ça va. Pour l'instant, parce que là, il faut vraiment faire le tour du globe, hein, petite patte. Donc là, ça va, c'est bleu hein, quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre des renforts ici. Voilà, sectionner les régimes à manœuvrer ici, voilà, c'est pas mal. Et après, en bas, je ne peux pas, puisque on ne peut transférer les troupes que avec les territoires frontaliers. Donc on va prier pour que ça fonctionne. Placer 10 renforts, mais je ne peux pas faire ça. J'en ai pas autant. Et on continue le jeu. Et on a reçu la carte territoire Mongolie. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, ça le fait. L'oncle rouge réfléchit. Ah, il a mis tous ses renforts exactement sur le Brésil. Hein. Donc là, c'est une attaque massive, droite et dirigée. On se défend encore pas trop mal. Là, on a fait 2. Il a fait 6, c'est dommage. Ensuite, ça attaque, ça va très très vite, mes petites pattes. On a fait 6, c'est très bien. On a refait 6, on est très très fort. On va les user jusqu'à la moelle, mes petites pattes. Oh, ça fait plaisir. Il avait placé tous ses renforts sur le Brésil. Et au niveau qui était un petit peu au-dessus, hein, vers l'équateur ou je ne sais quoi, on a perdu 2 territoires. On aurait pu perdre beaucoup plus. Et je crois qu'au niveau de l'Amérique, on est pas mal. Je ne sais pas pourquoi on trône encore au niveau de l'Europe du Nord avec nos deux là. En tout cas, on va essayer de d'attaquer tout ça. Donc, on a perdu l'Argentine. On va la reprendre. On va essayer de faire que son... on va placer, voilà, 2, 3, 4. Voilà, il nous en reste plus qu'un. Où est-ce qu'on le met? On va peut-être se le garder pas très loin de là, parce qu'on va se faire bouffer avec Yakoutsk. Donc, on reprend de la Russie jusqu'à l'Argentine. On va essayer ça, les petites pattes. Donc, on lance l'attaque. Ici, on va taper... le Brésil, parce que, évidemment, oh là là, il est très très fort. Là, j'ai fait un jeu de dés nul, hein, mes petites pattes. Donc là, c'est pas mal. On retente le tout pour le tout. Il a fait 6, c'est très très malin. En tout cas, voilà, il a fait 1, là, c'est fichu. Très bien. Eh ben, on va réattaquer. Est-ce qu'on peut attaquer 2 contre 2? C'est très risqué ce qu'on fait, mes petites pattes, mais ça peut payer. Ah, c'est dommage. Ça ne paye pas. Donc, on aurait pu peut-être se calmer. En tout cas, il n'y aura pas de progression. Il n'y aura qu'un territoire perdu, à moins que l'Afrique du Nord
se lance dans cet écueil. Je ne sais pas, il me dit pas en tout cas. Qu'est-ce qu'il reste ici? Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais laisser un territoire pour lancer l'attaque. Je n'en vois pas. Peut-être ici, allez. Allez, on tente de récupérer la France. Allez, les Bleus, 1-1, match nul, c'est dommage. Donc, on va terminer la phase de combat en appuyant sur L1 ou R1 et bien sûr en appuyant sur croix pour valider tout ça. On a reçu un Joker. Donc j'imagine qu'on récolte un jeu de cartes. Non, pas que des cartes. On reçoit un joker. Alors qu'est-ce qu'on fait avec consulter vos cartes, Whis? Qu'est-ce que ça fait? Parce que là, pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, on a un joker. Donc on reçoit des cartes, et pas que des cartes géographiques. On reçoit aussi des cartes à jouer. Donc est-ce que c'est des choses à collectionner? Ce qui est bien, c'est que la caméra se place en fonction des attaques. On a perdu l'Afrique. Voilà, donc ça au moins, c'est tout. Continue le jeu. C'est tout ce qu'il y a eu. D'accord, donc là il y a eu des renforts ici. On peut choisir de renforcer nos territoires et ne pas attaquer. Ça c'est Lienoub hein, qui fait à fond. Donc là, est-ce qu'on a perdu des trucs ici? Non, c'est pas mal. Donc on va encore attaquer. Puisque la meilleure défense, bien sûr, c'est l'attaque. Pour l'instant, on a quelque chose d'assez soudé. On va mettre... on va tout mettre ici au niveau du Brésil. Et on attaque le Pérou, mes petites pattes. Voilà, ça c'est bien. Encore un petit coup. Et c'est dommage, hein, c'est dommage, puisque même en combinant... Oh là là! C'est terrible, ça. Voilà, c'est pas mal, je pense. Voilà. Et on réattaque tout ça, puisque à chaque fois, il faut quand même... Quand on gagne un territoire, on ne met pas l'intégralité de nos troupes sur le territoire en question, puisqu'il faut quand même laisser un sur le territoire que l'on a. Donc lorsque on a 4 par exemple et qu'on gagne avec 4, on ne remet pas l'intégralité, on en laisse 1 sur le territoire et on en déplace 3. Donc on est pas mal. On a presque toute l'Amérique. C'était un peu le but hein, d'avoir non seulement un continent. Là ça va être dur là. À le Groenland, s'ils décident d'attaquer, ça va être terrible, mes petites pattes. Mais bon, on va continuer puisqu'on a reçu l'Egypte. Je sais pas pourquoi, vous avez reçu la carte. Très bien, mais on continue. Je sais pas si vous savez, petite patte. Oh là là, 14 en renfort. Alors là, ça se bourre la tronche. L'Afrique du Nord était costaud. Ah, mais là, voilà. Ça va peut-être attaquer du côté de l'Amérique. Parce que c'est possible, avec 14 en renfort, là, ça fait gros gros. Hein. Là, donc, c'était une technique de résistance qui a l'air de... Voilà, j'allais dire qui a l'air de pas trop marcher. Si, quand même. Voilà, et là, ça fait mal. Hein, puisqu'il n'y a aucun territoire ennemi en dehors de rouge qui a voulu l'attaquer. Donc là, les renforts verts se fait bouffer. Ça fait mal. Donc c'est pour ça peut-être qu'aussi que on pensait au départ que nous étions à la carte verte. Échange 3 cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? On peut échanger les cartes face à des territoires? Alors là, il va falloir que j'apprenne pour la fin de l'épisode, les petites pattes. Là, au prochain tour, on échange les cartes. Je sais pas si c'est au début ou à la fin, mais comme ça, ça peut faire des renforts, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a des cartes et des trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est la carte de la Mongolie? On a la Mongolie? Je ne pense pas. Donc là, ça fait mal, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, mes petites pattes. On récupère le Japon. Le Japon défend, mais là, c'est foutu. Voilà, peut-être que Yakoutsk, c'est ça, hein, c'était Yakoutsk, ouais. Là, ça résiste encore un peu, peut-être qu'avec le territoire du haut, on va... Oui, voilà, hein, ça... Oh, ça résiste encore! Encore et toujours à l'appel, mais c'est incroyable. Non, là, c'est foutu. Voilà, donc là, il va rester un. Peut-être attaquer là. Non, on continue le jeu. Très bien. Donc, on a nos cartes ici que l'on peut échanger. Alors, mais comment on fait? On appuie sur... Alors, on a quand même une tendance bleue au niveau de l'Amérique, verte au niveau de l'Asie et rouge pour l'Europe. Surtout l'Afrique. Hein, là, l'Afrique est rouge. Donc là, on va voir... comment on peut faire? Je sais pas. Je sais pas, une petite patte. Est-ce que peut-être en appuyant sur le i de l'information, consultez vos cartes? Là, c'est fait. Alors là, je sais pas, une petite patte. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, mais hélas, on va mettre les renforts ici. On va les bourrer. On attaque l'Argentine en sélectionnant d'abord le territoire de long choix et après le territoire ennemi. On attaque, c'est beau, belle défense. Ensuite, ah, il fait des 5, mais là, on a fait un double 6. On a conquis l'Amérique, une petite patte. Nous sommes des colons, c'est le cas de le dire, et là peut-être, là on peut, est-ce qu'on peut attaquer 1-1? Ça serait très drôle de faire ça. Non, on peut pas, puisque de toute façon il faut laisser au moins une troupe au niveau. Alors est-ce que là on peut choisir un territoire, terminer la phase de combat? Non, je pensais qu'on pouvait avoir quelque chose, mais là non. Donc on termine la phase de combat ici, voilà, on met les renforts là, voilà, et on termine la phase de niveau. C'est pas mal, ça c'est fait. Ah non, j'ai annulé le truc. Voilà, bon, c'est pas grave, voilà. Et on a donc cette carte,
Je ne sais pas à quoi elle sert. Et on restera sur cette interrogation à petite patte avec cette découverte de risque. Ça fait rouge échange 3 cartes contre dirigement. Voilà, donc je pense qu'on peut gagner d'autres renforts en plus grâce à ces cartes. Et là, l'Amérique redevient bien sûr toute rouge puisque, bien sûr, ça a été appelé comme ça au départ avec les peaux rouges. Eh bien, mes petites pattes, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis matin et pour certains, je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis ciao!